Eh bien, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous visionnez. Nous sommes en direct sur la chaîne YouTube de Candidator avec le gagnant, le grand gagnant de Candidator 2019, monsieur Guillaume Guisset. Ouais. Bonjour, bravo, merci. Bravo. Merci beaucoup, bravo. Merci, c'est gentil. C'est terrible, merci beaucoup. C'est un jury de 17 professionnels qui, lors de la finale mardi dernier à l'Apollo Théâtre, t'a élu le meilleur de l'année. Eh bien, j'en suis vraiment ravi et s'il me regarde, merci encore, merci de votre confiance. Et je suis ravi d'avoir gagné ce concours. Alors, depuis le début, nous on s'en doutait un peu parce que tu n'as cessé au fur et à mesure, dès les huitièmes de finale, de nous épater à chaque fois en nous amenant quelque chose de nouveau. Mais toi-même, tu avais l'air surpris et tu nous en as remercié, je te remercie, de la bienveillance et de l'organisation de ce concours. Ah oui, non, je trouve que c'est un concours qui est remarquable par son organisation, sa bienveillance et son impartialité. Je trouve que vraiment, toutes les étapes se sont merveilleusement bien placées. Je tiens à signaler que, encore une fois, c'est ce que je t'avais dit, je crois, la première fois que je suis arrivé en huitièmes de finale, donc c'est énorme, c'était aux éliminatoires à Donou. C'était aux éliminatoires à Donou. J'avais été même surpris que dans les loges, il y ait de quoi, boire, manger, etc. J'ai pas du tout l'habitude, en fait, qu'on s'occupe bien des jeunes comédiens. Donc c'est une scène ouverte qui s'occupe très très bien de ceux qui. Des candidats, en fait. Voilà. Et puis l'impartialité, j'insiste, parce que nous ne nous connaissions pas. Absolument pas. C'est toute la magie de ce concours, je trouve. C'est aussi des rencontres humaines. Donc on ne se connaissait absolument pas. Et on a appris à se connaître à mesure que j'avançais dans le concours. Et donc c'était un plaisir. Et effectivement, on ne se connaissait pas du tout d'avant. Voilà. Et donc toi, tu as fait quoi? Tu as fait le cours Florent, c'est ça? Oui, absolument. J'ai fait les cours Florent après des études supérieures ailleurs, et donc j'ai fait les cours Florent. J'ai terminé l'année dernière les cours Florent. J'ai fait donc les éliminatoires en mars dernier, en troisième année de Florent. Voilà. Mais ça veut dire que cours Florent, on apprend le théâtre. Là, oui. Tu es dans un seul en scène, un one-man show, du stand-up. C'est quoi que tu fais? Eh bien, oui, c'est un seul en scène, c'est du one-man show. J'ai du mal à percevoir la différence, mais oui, c'est ça. C'est différent de ce que j'ai pu faire à Florent. Quoique, j'ai déjà, en fait, à Florent, c'est dans le cadre des cours Florent que j'ai testé notamment le premier sketch qui m'a fait avancer, en tout cas, au tout début du concours. Donc, c'était dans le cadre d'une carte blanche à Florent que j'ai pu confronter mes écrits à un public. Qui est un professeur, et c'est eux qui m'ont encouragé à avancer là-dedans. Mais c'est absolument à Florent, on apprend le théâtre principalement. Et donc j'ai fait d'ailleurs 3 ans de cursus en théâtre. Voilà. Ton écriture est quand même assez chiadée, littéraire pour certains. Certains nous ont dit dans le concours que tu étais l'intello du concours. Moi, je ne le pense pas. Néanmoins, tu as conçu un personnage assez caustique. Oui, je dirais que c'est un misanthrope émouvant. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui effectivement a est assez cynique et qui manie l'humour noir. C'est ce qui me plaît, moi, qui a toujours des avis assez arrêtés sur le monde, et en même temps qui a des fêlures, parce qu'en fait, c'est tout le sujet, rien n'est gratuit, c'est-à-dire qu'en fait, tout a une source, et c'est ça qui m'intéresse de raconter, c'est l'histoire de ce personnage qui, justement, a des fêlures à des endroits où il est un peu blessé, et en fait, on peut le comprendre à travers ça, en tout cas, c'est un peu comme les personnages de Molière, en tout cas, comme les misanthropes, on va trouver qu'effectivement, ce sont tous un peu des névrosés, mais qui ont des névroses, qui trouvent des sources ou des justifications, quoi. Voilà. Peut-on dire que tu ferais partie de la famille des Gaspard Proust? Et je crois qu'on. Oui, c'est très très gentil de me dire ça parce que je l'admire beaucoup. On m'a déjà comparé, ou en tout cas on m'a dit ça peut s'approcher effectivement, je pense, d'un univers comme celui de Gaspard Proust. Ouais. Qui est un nihiliste, on va dire, qui se rapproche d'un nihilisme un peu littéraire, quoi. Voilà. Il y a un auteur que j'aime beaucoup, qu'on cite jamais, qui n'est pas en fait un auteur de celle en scène, qui s'appelle Rodrigo Garcia, qui est un auteur de théâtre contemporain que j'aime beaucoup, et qui est très engagé, très particulier, qui est très cynique. Dans mon univers, il va y avoir un petit peu de Rodrigo Garcia aussi. On en arrive à parler de Rodrigo Garcia, n'est-ce pas, puisque le mec a fait Florent et ça commence à devenir chiant. Mais je déconne. N'empêche que ce personnage est particulièrement intéressant et t'éloigne de Gaspard Proust. C'était juste pour situer un petit peu la famille d'humour. Mais c'est quand même un espèce de bourgeois. C'est un mec qui a les moyens. Ouais.
Oui, absolument. C'est quelqu'un qui, oui, ça pourrait ressembler, toute proportion gardée, on pourrait retrouver ce personnage un tout petit peu chez Louis de Funès, qui est en fait un patron, un directeur, et puis en fait quelqu'un qui a des névroses, qui est un petit peu obsessionnel, et qui, par exemple, dans un sketch que j'ai présenté, je crois que c'était en quart de finale, il va totalement s'énerver du fait que, par exemple, une personne qui fait la manche va faire des fautes d'orthographe sur sa pancarte, et il va totalement phaser là-dessus, et en fait il va tout un système va se construire autour de ça. Donc ce sont vraiment des détails, mais c'est quelqu'un qui, enfin, en tout cas j'ai le sentiment, mais encore une fois c'est l'immense avantage de ce concours d'ailleurs, c'est que j'ai construit le personnage et j'ai construit tout ça à mesure que j'avançais. Oui. C'est là où je disais que ce concours a un immense avantage, c'est que c'est un accélérateur de particules. Si on joue le jeu, c'est ce que j'ai essayé de faire, on construit à mesure qu'on avance, parce qu'on est obligé de faire de l'inédit à chaque fois, et donc on avance et on se confronte aux échéances, quoi, qui sont 10 jours plus tard, un mois plus tard, et on est obligé d'écrire, et on est obligé donc d'avancer dans sa réflexion. Ma réflexion n'est pas arrêtée, n'est pas terminée. Je pense même que les contours de mon personnage peuvent changer un petit peu, peuvent évoluer dans une version peut-être plus longue. Mais en revanche, je pense que c'est l'immense avantage de ce concours, c'est que justement, ça pousse à écrire et ça pousse donc en fait à produire. Voilà. Et je voulais en arriver à ça parce que tu construis forcément ton spectacle d'une heure. C'est le but qu'on va voir bientôt en 2020. J'espère absolument. 2020, c'est l'année où j'espère avoir. Je vais tout faire pour évidemment avoir ce spectacle d'une heure. Et c'est un format qui est très exigeant. Je trouve que l'immense avantage aussi de la finale et d'avancer comme ça dans ce concours, c'est que on se rend bien compte que les enjeux tout ce qui dépasse 5 minutes ou 10 minutes a un enjeu de temps, gestion de temps, qui est extrêmement, je dirais, qui nous apprend beaucoup de choses en fait, je trouve. Faire 5 minutes de sketch, honnêtement, moi j'ai le sentiment que si on se débrouille très très bien. Bon, à l'épaisseur du trait, beaucoup de gens peuvent arriver à dire quelque chose d'intéressant en 5 minutes. Mais en 15 minutes, c'est ce que j'ai vu en finale. Oh mon Dieu, c'est beaucoup plus dur. C'est beaucoup plus compliqué. Et ça demande de gérer des variations, l'attention du public qui va peut-être changer à un moment donné. Et je trouve que c'est vraiment extrêmement... ça apprend beaucoup d'aller jusqu'en finale, en tout cas. Donc moi, ça veut dire que tu as tout compris du concept. Parce que 5 minutes, 8 minutes, 15 minutes, ça vous oblige... Et c'est comme ça que tu as gagné et que maintenant un producteur va s'intéresser à toi puisque tout va se mettre en route. Bah absolument, et je suis ravi vraiment. Et c'est là où vraiment je pense que ce concours a beaucoup d'avenir. Parce que c'est aussi, pardon de le dire, c'est un concours qui n'est pas qu'un concours de stand-up. On voit qu'il y a beaucoup, ça se développe énormément. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de gens font du stand-up aujourd'hui ou d'humoristes. Et là, on a enfin la possibilité de jouer sur une scène de théâtre avec une grande liberté. Avec la possibilité, effectivement, comme disait Hugues tout à l'heure, de faire de la musique, d'avoir une mise en scène, etc. Et enfin, on peut rentrer dans des personnages, on peut déployer un petit univers, si vous voulez, dans une cellule qui va être de 15 minutes, 8 minutes, 5 minutes. C'est formidable. Et c'est pour ça que je pense qu'il a beaucoup d'avenir, parce qu'en fait, il est le réceptacle de beaucoup d'intentions d'artistes qui sont un peu frustrés, qui se disent « mais en fait, il n'y a que le stand-up ». C'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve à potentiellement se retrouver qu'à avec un micro sur une petite scène à parler. En fait, c'est ça aujourd'hui les concours de scène ouverte. Là, c'est une vraie scène ouverte avec un potentiel qui est beaucoup plus large, je trouve. Écoute, je t'appelle quand tu veux pour vendre Candidator, hein, parce qu'on peut, quand même pas faire mieux. Hein. On a l'habitude de terminer, alors peut-être que tu le sais pas, c'est très stand-up ce que je vais te dire. Hein. Oui. On a l'habitude de terminer avec une connerie, la fin de l'interview, la connerie que tu veux. Mon Dieu. Tout est possible. Je suis pas le roi de la spontanéité. Il me faut beaucoup de temps pour trouver des trucs cons, mais je dirais, c'est très conservateur là encore, tire mon doigt. Voilà. Tu veux que je tire ton doigt? Voilà. Voilà. Il vient de dire prout, vous ne l'avez pas entendu. C'est donc son humour à la Gaspard Prout. Pas mal. Très bien. Guillaume Guisset, vainqueur de Candidator 2019. On sent qu'on s'amuse beaucoup. Merci René Marc, merci beaucoup.